Bienvenue sur Rock Moderne. Et comme j'ai pas mal de choses à vous présenter, je pense que je vais couper cette vidéo en deux parties. Alors la première consacrée à un unboxing concernant ces deux vinyles, cette box et ce vinyle en fait, qui sont donc produits et réalisés par un label finlandais, c'est ça, qui s'appelle Svart. Vous voyez, Svart Records. Et j'ai reçu ça assez rapidement. Alors je remercie Direct Sound Vinyl de m'avoir indiqué donc, et ce label et ce site et donc ces disques. Alors sur le site Waxwork, on avait Profondo Rosso du groupe Goblin déjà qui avait été réalisé mais interdit à la vente en dehors des États-Unis. C'est pour ça que je n'avais pas pu l'acheter à l'époque. Et là, ils ont sorti une box. Alors, Profondo Rosso, c'est un film réalisé par Dario Argento, un film italien de 1975. Et la soundtrack a été donc réalisée, composée et joué par le groupe de rock progressif italien Goblin. Donc il s'agit d'un film et d'une BO italienne. Voilà. Et en 2021, donc le groupe a été reformé, enfin tout ça c'est un petit peu compliqué, et nous ont gratifié d'un live et qui est d'ailleurs excellent, c'est un peu une mise à jour de la BO. Alors on va de l'époque. Alors, bon, on va commencer par Profondo Rosso. Et donc, il y a également le disque, oui, j'ai oublié de vous dire, Suspiria à l'intérieur. Donc, alors Suspiria, c'est aussi un film réalisé par Dario Argento en 1977, qui fait partie de la trilogie. C'était le premier volet de la trilogie des Enfers, voilà. Donc, vous avez donc bien sûr deux vinyles, donc évidemment. Donc Suspiria, Profondo Rosso, film et BO de 75, et là deux pour Suspiria de 1977, BO et film de 1977. Alors, donc, moi j'ai pas gardé de blister, finalement j'aurais peut-être dû, bah tant pis, écoute, c'est comme ça. Donc voilà cette box. Alors finalement, j'ai vu les prix sur Amazon et quand j'ai vu, quand j'ai comparé avec les prix sur le site finlandais, bon, 9 euros de frais de port, finalement, les disques sur le site Amazon étaient au même prix, donc c'est deux vinyles, mais on avait un vinyle couleur et un vinyle en noir. Alors je me suis dit, bah là, je vais prendre la box où il y a un vinyle blanc, un vinyle bleu. Alors c'est vrai que ce vinyle-ci sur Amazon, je crois que c'était celui-ci, ou plutôt celui-là, était en rouge. Mais bon, là, il sera en bleu. On va d'ailleurs les ouvrir pour exactement voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, donc, Suspiria et Profondo Rosso, deux disque, on va commencer par le plus ancien, donc Profondo Rosso, que je vais ouvrir. Ouais, je vais ouvrir comme ça. Alors, il s'agit d'un. C'est un gatefold en fait. Donc, on n'a pas besoin de prendre soin de l'emballage. Paraît-il une version live très très bien orchestrée avec le disque, voyez, qu'ils ont mis à l'extérieur pour éviter l'éclatement des pochettes. C'est assez sympa. Et là, il y en a pas mal de choses à voir, hein. Pas mal de choses. Donc, on a deux artworks du film. Keyboards, Claudio Simonetti, etc. Vous avez tous les membres du groupe ici. Assez intéressant. Il y a une bonne documentation. Voilà. Live in Helsinki en mai 19, le 10 mai 2019. Et celui-ci aussi. Donc c'était voilà des. Je pense peut-être les. Ça ressemble peut-être au ticket des concerts, je sais pas. Donc on voit que c'était des lives de. Du 10 mai à Helsinki 2019, mais qui a été pressé en 2021. Voilà.
Alors, donc je vous l'ai montré ici. Là, on a aussi la tracklist ici. Voilà. Et donc le vinyle blanc. Je sais qu'il existe donc des éditions vinyle rouge, mais sur Amazon, je vous dis qu'il n'y en avait qu'un des deux qui était en rouge et l'autre était en noir. Voilà. Puis là, c'est une box en tirage limité qui était finalement au même prix avec le frais de port en plus. Alors, maintenant, Suspiria, après Profondo Rosso. Suspiria, donc, que j'ouvre. Hop! Je ne vais pas faire durer éternellement cet unboxing. Pareil, donc on voit bien la tracklist, la pochette, comme ça. Et là aussi, on va avoir le live, oui, pareil. Helsinki au Théâtre Savoy le 10 mai 2019, pareil. Bon, pour ces deux Star Wars, petit leaflet, un leaflet, on dit, puisque leaflet, c'est un mot anglais. Donc, très très beau. Hein. Puis alors, du carton, quand même, peut-être pas aussi dur que les cartonnages japonais ou américains, mais enfin, pas mal. Et alors, un vinyle bleu. Je sais pas si c'est du 180, peut-être 140 plutôt. On verra la qualité du pressage. Et on doit avoir les affiches, c'est ça qui est intéressant. On doit avoir les affiches cinématographiques de l'époque. Voilà, donc là c'est Profondo Rosso. Et on a Suspiria, évidemment. Peut-être que l'édition Mondo sera un jour disponible. Pardon, l'édition Waxwork, pardon. Je confonds toujours les deux. Waxwork sera redisponible, mais bon, apparemment pas pour le marché européen. Voilà. Alors ensuite, de la série télévisée de la BBC, qui est passée sur la BBC, donc The Serpents. Alors, voilà, bah, j'en ai profité, hein, puisque les frais de port étaient gratuits, finalement, pour un disque supplémentaire, et donc moins cher, aux alentours de 20 euros, moins cher que sur Amazon, ou 19 même, que sur Amazon. Donc, c'est édition limitée. Alors, BO de Dominique Scherrer, de la série The Serpent, 8 épisodes, donc sur la BBC, avec... bon, c'est un tueur en série avec sa compagne. Alors Charles Chobreige et Marie-André Leclerc. On le voit ici sur la tracklist, sur la pochette. Voilà. Donc c'était sorti ça en 2000 sur la BBC en 2021 et le disque est de 2022, je crois. 2021. Allez, tout 2021. Voilà. Ça aussi, je remercie Direxon Vinyl. Mes CBO sont vraiment assez exceptionnels. Dites-moi pour le sortir. Pas évident. Petit livret. Pas mal du tout, pas mal du tout, hein, ce label. Peut-être c'est pas du 180, mais ça veut rien dire, hein. Vous savez, l'épaisseur, parfois on a même des 180 grammes qui sont des disques en 180 grammes qui sont voilés. Alors ça, c'est un joli, c'est du vert pétrole, on dirait, du bleu pétrole, pardon. Je dirais pas turquoise, plutôt bleu pétrole. Voilà, translucide, The Serpent. Donc, pour ceux qui aiment les tueurs en série. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter à cette BO? Déjà, je vous avais présenté ce disque-ci, hein, déjà de Cluedo, donc déjà. Donc, on ne va pas vous le représenter. Et j'ai reçu deux disques donc de français. Hein. Alors Vitalik, évidemment, vous connaissez bien, c'est l'année Vitalik où il réédite absolument
Le label de ce groupe électro-français réédite absolument tout. Et là, c'est le deuxième, l'épisode 2, mais toujours en 2021. Donc, de ce groupe Vitalik et de cet album de 2021. Donc, je vous avais présenté déjà le vinyle du premier volume, je pense il y a quelques mois, en 2021. Et là, évidemment, donc je vous présente l'épisode 2. Dissidence. Voilà, je recherchais le nom. Dissidence. Voilà. Avec un joli petit cinéma. On a même un petit sticker, c'est sympa. Voilà. Épisode 2, donc. Alors, j'ai pas eu le temps de l'écouter, celui-ci. Alors, il existe une box, épisode 1 et 2, au même prix. Mais bon, moi, comme j'avais déjà l'épisode 1, volume 1, je n'allais pas racheter une box. Au plaisir d'avoir juste l'emballage. Voilà. Alors là, il s'agit d'un vinyle noir tout bête. Hein. Voilà. Alors que le premier était en vinyle blanc. Donc c'est pour faire en fait noir et blanc, pochette noire, vinyle blanc pour l'épisode 1. Et là, pochette blanche, vinyle noir pour cet épisode numéro 2. Donc je vous rappelle que c'était un disque jockey de Dijon, je crois. Là, j'ai pas noté. Donc Vitalik, donc qui s'appelle Pascal Arbez Nicolas, voilà. Donc qui était disque jockey à Dijon, qui a fait une superbe carrière, non pas de non seulement de disque jockey, mais de musique de créateur de musique électro. Ensuite, un disque que j'avais acheté en CD quand c'était sorti en 2001. Donc, Rof, un groupe de Ossini, M. Coubois. Et donc, on va l'ouvrir, si vous voulez. Donc, j'ai le CD, en fait. Et c'était pas mal du tout pour l'époque. C'est à l'époque de l'apogée du rap français. Alors, vous avez dessus. Alors, le nom de l'album, c'est La vie avant la mort, c'est ça. Et vous avez dessus Rof, en fait. J'aime bien ce morceau. Mais surtout les singles. Donc vous avez TDS, qui est l'exemple, Rap Info, je crois. Voilà, à peu près. Qu'est-ce qu'ils mettent? Qui est l'exemple? TDSI 591 Rap Info. Voilà. Alors c'est pas un gatefold. Alors c'est toujours pareil, les éditions originales valaient une blinde. Et c'est pour ça que je l'ai prise. Et il s'agit d'une édition limitée. Donc pour le 20e anniversaire évidemment, puisque là on a un copyright de 2021, mais ça vient de sortir. Alors vous avez deux disques sage transparents, 180 grammes. Très bon disque de rap authentique de l'époque. Rof, groupe assez connu, qui a sorti quand même plusieurs albums. Je crois que c'était son deuxième album à l'époque, démarré dans les années 90. Regardez, c'est des macarons qui sont personnalisés et individualisés. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes que d'un disque à l'autre. Donc, c'est assez sympa, ça. Alors, je vais voir s'il n'y a pas à l'intérieur un petit effet. Non, il n'y a rien du tout. C'est assez étonnant. Du tout, c'est même pas un gatefold, vous voyez. Voilà, c'est curieux. Voilà, donc, tout est là. Je vous montre un petit peu dans le détail. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je pouvais vous montrer. Après, je ne sais pas. Ah ouais, parce que je vois que l'autre vidéo risque d'être un petit peu longue. Je vais peut-être rajouter, puisqu'on a un petit peu de temps. Là, ici, je compte un petit peu les disques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ouais. Donc, ce que je vais faire, je vais présenter cette compilation parce que j'ai un petit peu de temps. Donc, je vous montre cette petite compilation, si je peux dire cette petite compilation. Alors, c'est bien parce que c'est Now Yearbook. Ils ont sorti l'année 84,
84, l'année 83 que je vous avais déjà présenté, et là ils présentent l'année 82, ils descendent comme ça d'année en année, et ils vont sortir certainement l'année prochaine l'année 81. Et donc vous avez tous ces titres, alors il y en a un paquet, vous pouvez faire peut-être un arrêt sur image, il y a pas mal de titres, et New Wave, et 82 est une des, avec 81, et sont certainement les deux meilleures années de la New Wave. Alors vous avez dessus Wham, évidemment, Adam Hunt, ABC, Spandau Ballet, Aircut 100, Culture Club, Duran Duran, Tears for Fears, Human League, Visage, Simple Minds, Ultravox, Orchestra Manoeuvre in the Dark, Soft Cell, Paul McCartney, Elton John, Lionel Richie, Marvin Gaye avec le Sexual Healing, Bugs Fitz, Blondie, Madness, Hours, Dixie Midnight Runners, Come on Elaine. Évidemment, le fameux morceau des Survivors, Eye of the Tiger, Meat Loaf with Cher, Pretenders, Back on the Chain Gang, Steve Miller Band, Abracadabra, le fameux Abracadabra, Christopher Cross, Foreigner, Roxy Music, Abba, Donna Summer, Chalamar, Irene Cara, Boys, Two Gang, de l'album Disque Charge, je crois, Rocker's Revenge, évidemment, Walking on the Sunshine, Malcolm McLaren, un des premiers morceaux de hip-hop avec le fameux Buffalo Girls, The Jam, Tone Cold Malice, The Clash, Rock the Casbah, 82, Bo-Wo-Wo, Go Wild in the Country, New Order, Temptation, The Associates, Party Fierce 2, The Strangers, le fameux Golden Brown, Japan the Ghost, et Cleanad, Time from Harry's Game. Alors là, Cleanad, je ne connais pas trop. Voilà, donc. Soft Cell, c'était Hello, Wave Goodbye, Ultravox Rip the Wild Wind, et puis aussi Simple Minds, Promise You a Miracle. On a le Mardware de Tears for Fears, Aircut 100, C'est Love Plus One, ABC, Lock of Love, etc. Voilà donc les disques, bah, je vais vous en montrer qu'un parce qu'ils sont tous pareils. Voilà, donc vous avez trois vinyles comme ceci. Voilà, donc. En 180 grammes, je les ai écoutés, très excellent pressage, très très bon mastering, très master, très fidèle, fidèle à l'entourage. À l'époque, le son est assez fidèle à celui des années 80. Je sais pas comment ils ont fait pour faire ce master. Voilà, c'est assez sympa. Bon, ben, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette vidéo de 17 minutes. Voilà, ben, je vais aller faire cette vidéo numéro 2. Voilà, donc bah écoutez, à la prochaine vidéo, et merci d'avoir laissé un pouce bleu, de vous être abonné et laissez vos commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, ils sont de plus en plus pertinents. Alors pour le live, bon, il faut que j'y pense, il faut que je m'organise, il faut que j'ai le temps de bloquer une soirée et puis un petit peu savoir de quoi on va parler pendant ce live, il faut qu'un petit peu je l'organise, on me l'a demandé souvent. Et puis pour Mylène Farmer, on va attendre un petit peu, voilà, petit à petit, les achats arrivent, donc il faut absolument essayer de d'échelonner les dépenses pour ces pitcher disques de Mylène Farmer. Mais vous en faites pas, je vous les présenterai dès que je les aurai achetés. Voilà. Salut, à bientôt.